Ah bah, merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ah merde, je suis con. Bon, j'ai fait une petite une erreur, c'est pas grave. Alors bonjour, sur ce nouveau stream de sur Skyrim, alors je sais pas ce que je vais faire, je me rappelle plus ce qu'on avait fait la dernière fois. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut... Oh bah tiens, on va faire celui-là. J'ai pas activé, non. Ok, j'ai de la place dans mon inventaire, on est parti. Je serais bien plus réchauffé et sacrément plus heureux avec un peu d'hydromel. Ah, il faut que je fasse un truc avant. Alors... C'est où? C'est où, bon sang? Merde, ça y est. Attends. Voilà, ok, bon. J'ai réussi à supprimer. Normalement, j'ai du mal. Mais je n'arrive pas à trouver le... Ah, ici. Non, je suis là. Bon, alors, attends. On va voir. Aucune quête active. Mais si! Ah, quel idiot! Bon, tant pis. Ah non, d'accord. Aucune quête active. Attends, est-ce qu'il m'indique quelque part... merde. Oh, bon sang. Bon, je trouve pas. Bon. Avec l'aide de Nelot, j'ai eu accès au livre noir de Tchardak. Sa lecture m'a fait voyager jusqu'à Apocryphia, le domaine d'Hermaeus Mora, où j'ai trouvé le pendant de ce même livre. Hermaeus Mora, en personne, m'est apparu et m'a enseigné le deuxième mot du cri asservissement. Il m'a promis de m'enseigner le troisième mot, mais seulement en échange des secrets d'escale. Oh bah tiens, on va aller là. On va faire ça. Ah! Aller parler à Storm. Ah, est-ce que ce serait par là? Parlez au capitaine Gyalund si vous voulez naviguer avec nous. Ah, mais c'est pas vrai. Ah, ici. Ok, bon. Il n'y a pas de voie, tu vois pas de passage, mais moi j'y suis allé à pied, hein, donc il y a un passage. C'est sûr que Baldur avait une bonne raison de nous quitter. Ce n'est pas normal, Fanari. J'ai un mauvais pressenti. Oh, mais... Baldur ne serait jamais parti sans rien dire à personne. Ne te fais pas de mauvais sang pour rien, Deor. Tu veux te faire des cheveux blancs avant d'avoir atteint la... Il me met aucun passage détecté, putain, il est là. Il n'y a pas de passage, là, il est là. Ainsi, les dragons sont de retour. Peu importe. Les Skaal ont déjà survécu à pire. J'ai parlé à Hermaeus peut-être, Mora. Il veut connaître les secrets des Skaal. Hermaeus, bon, connard. Ce vieil Herma Mora en personne.
C'est donc lui la source du pouvoir de Mirak. J'aurais dû m'en douter. Nous avons de nombreuses légendes sur les ruses employées par ce démon pour essayer de voler nos secrets. Et voilà qu'il cherche une fois de plus à s'emparer de ce dont nous l'avons toujours privé. C'est sa condition pour m'apprendre le dernier mot du cri de Mirak. Herma Mora, pourquoi l'appelez-vous ainsi ? C'est le nom que nous lui donnons. Le démon du savoir. Il a toujours été notre ennemi. Que sont les secrets d'Escal ? D'anciennes traditions, transmises de génération en génération par les chamans, depuis que le Créateur a fait don de Solstheim au Skal. Comment parler au vent ? Comment écouter la terre ? Voilà nos secrets. Rien à voir avec le pouvoir ou la domination. Pourquoi Hermaeus Mora veut-il vos secrets ? Herma Mora est le démon du savoir. C'est dans sa nature de vouloir accaparer tous les secrets de ce monde, peu importe leur valeur. Le fait que l'Escal lui ait si longtemps caché leur savoir n'a fait qu'attiser sa convoitise. Bon, c'est sa condition pour m'apprendre le dernier mot du cri de Mirak. Ainsi, c'est à moi qu'il incombe de révéler nos secrets à notre vieil ennemi. Je ne suis pas sûr d'avoir la force de lui faire face. La pierre de l'arbre demeure corrompue. L'équilibre de la nature n'est toujours pas rétabli. Mais la restauration des 5 autres pierres suffira peut-être. Il le faut. Vous voulez dire que vous lui donnerez ce qu'il veut ? L'Escal parle également du jour où nous devrons enfin révéler nos secrets. Le jour où Herma Mora l'emportera. Le devoir d'un chaman est de protéger ses secrets. Mais aussi de décider du moment où il devient nécessaire de les révéler. Je pense que ce moment est venu. Si je me trompe, puissent mes ancêtres me pardonner. Donnez-moi le livre. Je le lirai et parlerai au vieil Herma Mora moi-même. Je m'assurerai qu'il tienne sa part du marché. J'espère que vous savez ce que vous faites. C'est ce que j'espère aussi. Faites en sorte que ce sacrifice ne soit pas vain. Je compte sur vous. Père, ne faites pas ça. Ce livre est mauvais, maléfique. Il va à l'encontre de tout ce que vous m'avez appris. Il le faut, Freya. C'est le seul moyen de libérer Solstheim de l'ombre de Mirak. Le changement est une chose inévitable. Tout ce qui vit finit par changer tôt ou tard. Ne t'inquiète pas pour moi, ma fille. C'est simplement le destin que le Créateur a choisi pour moi. Je suis à vos côtés, père. Comme toujours. Je suis prêt à affronter le destin que l'infâme maître de ce livre a prévu pour moi. L'Escal m'ont enfin révélé leur secret. Père ! Non, arrêtez ! Ça va mal finir, ça. Pas pour vous. Pas pour vous. Faites quelque chose. Enfant, bah, et t'es là, tu peux faire aussi. Vous m'avez rapporté ce que j'avais demandé. En retour, je tiens ma promesse. Comme ici un prince d'Oblivion, je vous donne le mot de puissance dont vous avez besoin pour affronter Mirak. Vous l'affronterez ou lui succéderez, selon la volonté des marées du destin.
Alors, c'est quoi cette quête-là? Débloquez votre cri d'asservissement. Partez! Mon père s'est sacrifié pour vous permettre d'anéantir Mirak et de chasser l'ombre de son maître de nos terres. Allez-y! Tuez Mirak! Vous n'avez pas le droit à l'échec. Bon, on va essayer, hein. On va essayer de tuer Mirak.